213 Rock with Eric Melodica on Vinyl Stimes Classic Rock Radio. Hell yeah, sur la Web Rock Station on Vinyl Times, the Classic Rock Radio, en direct ce soir. On va vous parler de After Us sur le 113 Rock Vinyl Times, le Classic Rock Radio, un groupe issu de la région parisienne des Yvelines très précisément, et qui a sorti le 3 décembre dernier son premier EP, le Breaking the Dark. Pour ça, pour vous composer cette histoire, Céline, la chanteuse du groupe, est en direct ce soir. Bonsoir Céline. Bonsoir. Ça va? Ça va bien? Ça va super, ouais. Eh ben écoute, bienvenue dans l'émission 213 Rock. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Ouais, donc posté sur la Web Rock Station Vinyl Times, The Classic Rock Radio. Pareil, nous sommes aussi en région parisienne, mais la particularité de la radio, c'est que on a une diffusion comme sur internet, donc effectivement, nous avons pas mal d'auditeurs du côté de l'Europe, un peu partout, et ainsi que nos podcasts derrière qui se téléchargent en grand nombre. Donc tout ça, c'est le principe Vinyl Times, voilà, faire connaître la radio et en même temps faire connaître les groupes à un nombre large auditeurs de différentes nationalités. Ça, c'est le principe. Voilà. Super. Bah, merci beaucoup. Et moi, c'est un plaisir de venir parler de notre pays, en tout cas. Eh ben, After Us, donc, groupe, comme je le disais, originaire des Yvelines. Vous êtes dans un univers rock unique. C'est comme ça que votre bio, elle démarre. Hein. Teinté de pop, de métal, mais aussi lyrique et d'électro. Voilà. Ça, c'est l'introduction de votre biographie. C'est vrai. Parce qu'on est, c'est vrai, on a une base assez rock avec des accents métal, mais on a énormément d'influences. On est 5 dans le groupe, donc forcément, ça fait autant de personnalités, autant d'influences. Et on aime bien mixer un petit peu tout ce qu'on entend, justement, dans ce son qui reste quand même assez rock. Ouais, dans ce son qui reste assez rock, comme tu le dis. Et le groupe, il prend vie en juin 2019. Hein. Ça, c'est vraiment exactement. Les débuts de la bio. Ouais, je prends exactement le début de la bio pour bien expliquer au groupe, bien expliquer aux gens vos débuts, pour comprendre aux personnes qui nous écoutent ce soir le sens de votre début, parce que c'est important. Ouais. En juin 2019, donc on était avec Olivier, donc l'ancien guitariste d'After Us, et il avait déjà des compos de prêtres sur lesquels j'ai posé ma voix, j'ai posé mes mélodies vocales, et je connaissais déjà François, notre guitariste soliste d'une ancienne formation qui n'avait pas vu le jour. Donc on s'est associé avec François et Olivier, on a continué de travailler sur ces compos. Par la suite, on a recruté JP, notre batteur, et juste après, on a eu le confinement. Mais ça nous a pas empêché de continuer à travailler, de recruter aussi notre bassiste Guilhem, qu'on a vu après en vrai, et puis bah, ça a été le coup de foudre musical. Et là, récemment, Olivier a quitté la formation After Us pour des raisons personnelles, et on a recruté Léo, qui vient d'intégrer After Us et qui sera présent sur l'album à la fin de l'année. Ah, super, super. Donc, vous avez déjà des prévisions pour la fin de l'année, c'est bien. Vous avez déjà des objectifs. Ah bah, c'est cool. Et justement, comment se sont réparties vos idées concernant ces 4 titres au départ? Parce qu'il y a 4 membres, et j'imagine qu'il y avait déjà 4 visions du rock un peu différentes, quoi.
En fait, on a fait une présélection parce qu'on avait une quinzaine de titres de prêt. On voulait des titres qui soient catchy, en fait, qui aient une vraie histoire, que ça marque les esprits. On voulait aussi qu'ils soient pas trop longs, donc on a fait en sorte que ce soit arrangé et que ça tienne un peu plus de 3 minutes. On voulait vraiment un EP qui soit comme une carte de visite. Donc on a 4 univers différents. On a un début assez solaire, assez léger avec Home Again. Ensuite on continue avec City Lights qui est un peu plus mélodique, mais toujours un peu avec des accents pop. Et puis on passe sur un Get Out et un Last Goodbye où là on a clairement des accents plus rock, voire metal sur le solo de Last Goodbye. Donc c'était volontaire, c'était vraiment une carte de visite pour montrer un petit peu tout ce qu'on sait faire et vers où on voulait aller et donner envie surtout de découvrir plus notre univers puisqu'on prépare l'album pour la fin de l'année. Justement, j'appelle ça un test de personnalité que vous avez fait entre vous là, parce que Exactement. ça met en lumière quand même l'époque musicale qui vous ressemble le plus finalement. Exactement, mais on est quand même assez d'accord sur ce qu'on veut, sur l'image qu'on veut montrer de notre musique, sur ce qu'on veut faire passer comme message. Donc, il y a rarement des gros failles, hein, j'ai envie de dire. En général, on est quand même assez dans la même longueur d'onde. Ouais. Quelles sont les émotions que tu as envie de transmettre à travers déjà les quatre titres hein, qui sont disponibles à l'écoute? Les 4 titres, je dirais que c'est des morceaux de vie. Ouais. On a Home Again qui a été créé pendant le confinement justement parce que il fallait quand même continuer de créer. Puis François m'a proposé cette composition qui était assez gaie. Je me suis dit, ah, tiens, c'est absolument ce qu'on a besoin. Et je me suis imaginée en train de retrouver ma famille, mes amis dans mon sud natal avec du beau temps. Enfin voilà, j'avais besoin de quelque chose de très très positif et c'était ce que je voulais faire passer comme message à travers ce titre que on peut voilà, on peut être dans une situation un peu inconfortable, mais qu'il y a des moments comme ça qui nous rappellent qu'il y a des meilleures passades dans la vie et que tout ce qui est mauvais ne dure pas, heureusement. C'est ça, de nombreux genres en fait hein, sont le résultat d'un métissage musical. Hein. Je pense que le Exactement. message est bien passé effectivement. Ouais. 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 Et finalement, c'est au cours de l'année dernière que vous êtes entré en studio pour répéter déjà vos titres en version live avant d'aborder les sessions d'enregistrement pour ce cas de titre. Tout à fait. Alors, on bosse toujours les versions live hein, parce qu'on a envie d'enrichir notre set et de pouvoir tenir une scène entièrement. Parce que là, pour l'instant, on n'a pas assez de titres disponibles et prêts. Mais le live, en fait, est assez différent de la version studio parce qu'on a fait des arrangements exprès pour le studio aussi, qui seront un peu différents de ce qu'on proposera en live. Et quand on est arrivé chez HK, on avait déjà beaucoup échangé sur ce qu'on voulait sur cette EP, sur ce qu'on voulait pour chaque son. Il nous avait fait ses propositions aussi. Donc on est arrivé en sachant exactement ce qu'on allait faire et puis on n'a pas fait exactement ce qu'on voulait faire. Je pense qu'on a fait beaucoup mieux grâce au conseil de HK du Makara Studio. Ah ouais, il a un nom Et maintenant. Ah ouais. voilà, il nous a vraiment bien drivé sur cette EP et je pense que ce qu'il a ajouté, c'est la petite touche de magie qui manquait et qui fait que les titres sont encore meilleurs maintenant que ce qu'on avait pu proposer avant l'entrée en studio. Justement, deux clips hein, vidéo sont disponibles, sont extraits de ce premier EP, hein, Breaking the Dark. Le premier, c'est sorti donc le jour de votre EP, la mise en ligne le 3 décembre dernier, c'était City Lights. Ouais, Tout un à fait. clip hein, qui est pas loin des 30 000 vues, c'est pas mal, hein, avec des commentaires de personnes qui adhèrent pleinement à ce que vous proposez. Ouais. On a été les premiers surpris et on en est très fiers parce qu'on a eu beaucoup de retours positifs auxquels on s'attendait pas du tout et pas seulement en France. On a des gens du Pérou, d'Italie qui Ouais, c'est nous ont bien. fait des super retours. C'est ça. Donc c'est une grosse fierté. Ça nous donne envie de nous surpasser justement pour proposer des titres qui soient encore mieux reçus que ce premier qui est très encourageant. Ouais, ensuite arrive le clip Get Out, réalisé par Hugo Koning. Ouais. Alors sur Get Out, on voulait quelque chose de différent. Hein. On est arrivé sur quelque chose de très scénarisé, contrairement à City Life qui était très imagé, très mélancolique, avec des effets de lumière, tout ça. Sur Get Out, on voulait montrer aussi une autre facette d'After Us. On est sur un titre qui est quand même plus punchy, avec une rupture assez définitive, j'ai envie de dire Ah, je trouve pas le mot, mais très brut. Donc, on voulait montrer qu'on savait déconner aussi. Et puis, on a David Faure, l'acteur, donc qui est dans Get Out, qui a quand même un visage très expressif sur ses émotions. Enfin, c'est une super personne. On a beaucoup rigolé pendant le tournage du script. Et je pense que ça marque les esprits et ça montre une autre facette d'After Us. Ouais, moi ce clip m'a rappelé beaucoup de choses là. La première fois quand je l'ai vu, j'ai dit mais
quoi ce truc? C'est quoi ce clip? Puis je me suis dit, alors, en fait, au départ, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis j'ai laissé de côté. Et ensuite, bon, ça, mais ça m'est resté dans la tête. J'ai dit, pourquoi j'ai pas aimé? Pourquoi j'ai pas adhéré dès le départ? Et en fait, j'ai re-regardé une seconde fois et une troisième fois. Alors ça m'a rappelé énormément de choses. La première, ça m'a rappelé un peu les démons de Jésus, déjà, pour commencer, dans le style. La deuxième des choses, je trouve que c'est un règlement de compte, comme tu le dis, scénarisé, façon Bertrand Blier, qui se rapproche un peu parfois de celui de Jean-Pierre Mocky. Tu vois jusqu'où je vais? Dans la critique des mœurs bourgeoises et la réhabilitation hein, des plaisirs du corps. Moi, j'ai trouvé cette façon-là hein, entre Bertrand Blier et Jean-Pierre Mocky. Voilà pourquoi. Il y a ce côté, cette France qui est un peu années 80, et j'ai retrouvé ça là, à ce moment-là, quoi. Et ce clip, il y a des moments de provocation, effectivement, d'humour noir, parce que tu avec la carabine, alors ça, j'ai trouvé ça fort, et en même temps, avec un gros prononcé pour la torture, hein, parce que le fait de chanter l'autre avec... Et donc la victime ou l'agresseur, ça dépend de la position de l'histoire. Et oui, quand ça dépend comment on le comprend. Et en fait, c'est une histoire de revanche, en fait, ce titre, quoi, ce clip, quoi. Voilà. Oui, une histoire de revanche, mais aussi une histoire d'émancipation, je pense. La fille, je vais pas dire moi, parce que forcément c'est un personnage, mais c'est un peu un ras-le-bol, et puis de dire bah tiens, maintenant ça y est, c'est fini, je reprends mon envol, je reprends ma liberté. Toi, tu vas avoir la monnaie de ta pièce, et voilà. Ouais, mais c'est quand même une drôle de manière de présenter les choses, parce que ça démarre avec des fleurs, et ensuite il y a une carabine. J'étais mort de rire quand j'ai vu ça. Je dis waouh, si en 2022, qui d'ailleurs on a eu le droit à la journée de la femme il y a pas très longtemps, les choses se règlent de cette manière, c'est pas mal quoi. Ça va être compliqué quoi. Ça va être très compliqué. Après on était vraiment dans la caricature. Hein, oui. On voulait quelque chose comme ça qui marque les esprits et ça a marché justement. Donc le coup du bouquet de fleurs carabine, qui était une idée de H4 dans le scénario d'ailleurs. Nous aussi hein, quand il nous a expliqué ça, on s'est regardé dégoûté, on a dit quand même. Bah. Et puis bon, on l'a fait, on a tellement rigolé que... Bah moi, ça m'a rappelé, hein, ça m'a rappelé donc le scénario de Bernie Bonvoisin dans Les Démons de Jésus, ça m'a rappelé Bertrand Blier, ça m'a rappelé Jean-Pierre Mocky aussi, et puis il y en a un autre comme ça qui a un humour terrible, c'est Dupontel, voilà aussi, c'est cet esprit-là, c'est ce genre d'image, ce genre d'humour, hein, et Dupontel est très fort dans cet humour, mais qui tâche, quoi. Et là, vous avez pas été plus loin, parce qu'il n'y a pas non plus de tir à la carabine ou quoi que ce soit. Vous auriez pu marquer les esprits, non, tout est dans l'humour en fait, mais il y a un message, mais il y a un message quand même, et c'était assez marrant quoi, voilà, et donc c'est pour ça que je me suis dit il fallait creuser, et au départ j'avais pas du tout creusé l'histoire, et c'est au bout de 3-4 jours peut-être, et ok, j'ai compris, voilà. Bah, j'ai eu du mal à me mettre dans le personnage, hein, parce que c'est vrai que le fait de mettre quelqu'un dans un coffre, de le poursuivre avec une carabine, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. C'est pas quelque chose qu'on voit dans les clips vidéo en France assez souvent, quoi. Voilà. Bah, d'ailleurs, on a eu peur de se faire censurer. On s'est dit, YouTube va jamais laisser passer ça, mais non, c'est bon, c'est passé. Non. Mais c'était une super expérience, en tout cas. On a bien rigolé. Ouais, effectivement. Alors, tu parlais de concert. Alors, donc, pour l'instant, c'est pas le moment, hein, parce que, comme tu as dit, déjà, le EP dure 13 minutes. Et donc, alors, de ce dont on va parler, c'est du prochain album, déjà. Donc, qui sera composé. Est-ce que tu peux donner une information, genre peut-être qu'il y aura peut-être 10, 12 titres dedans, ce sera beaucoup plus rock, beaucoup plus... Vous avez déjà un sens musical déjà de bien précis à proposer? Alors, il y aura entre 10 et 12 titres, ça c'est sûr, on les a déjà, ils sont prêts, hein, les titres. C'est juste au niveau des arrangements où on essaye de proposer à chaque fois une aventure musicale qui sera propre à chaque titre. On va explorer des univers différents. Il y a un titre qui a un petit peu de son oriental, un autre qui a des accents un petit peu plus funky. On a une balade très théâtrale, un petit peu dans l'esprit de City Lights, qui, je pense, plaira beaucoup. Et après, je vais pas tout dire non plus, mais voilà, ça sera à chaque fois une aventure musicale et on travaille dessus justement pour avoir des sonorités qui soient propres à chaque titre, tout en restant dans l'esprit After Us avec ce son qui nous caractérise, mais avec toutes les influences qu'on a envie de mettre dedans, puisque là c'est un album, on aura plus de liberté que sur un EP qu'on devait faire avec 4 titres et où on voulait justement que ce soit 4 titres efficaces et que ça s'enchaîne assez rapidement. Là, c'est vraiment un album où on va pouvoir exprimer beaucoup plus de facettes de notre musique et je peux rien dire, mais il y a des titres dont on est très fiers et qu'on a hâte de présenter.
En direct avec nous ce soir, Céline Imerve, chanteuse du groupe After Us. Je rappelle le premier EP qui est disponible depuis le 3 décembre dernier. Il s'intitule Breaking the Dark. En voici le track listing. Ça démarre avec Home Again, en 2 City Lights, en 3 Get Out et en 4 Last Goodbye. Céline, merci d'avoir été en direct ce soir avec nous sur 213 merci Rock, Vinny Times Classic Rock Radio. As-tu un message pour les auditeurs qui nous écoutent ce soir, s'il te plaît? Bah, déjà, je leur dirais merci d'avoir pris le temps d'écouter l'EP et d'écouter l'interview. Et je leur dirais qu'on travaille très, très dur pour être à la hauteur de ce qu'on a proposé sur l'EP et qu'on a hâte de pouvoir présenter l'album et de retrouver notre public sur scène assez prochainement. Bah, merci Céline d'avoir été en direct ce soir dans 213 Rock, Vinny Times Classic Rock Radio. Tout de suite, on continue en musique avec le single Get Out. Le clip est disponible sur YouTube et aussi donc sur la page Facebook du groupe After Us. Et en même temps, c'est partagé cet après-midi sur la page 213 Rock, Vinny Times, le Classic Rock Radio. You feel the healing energy of this place all around you. Now find your power. Hier sur la Web Rock Station on Vinyl Times, the Classic Rock Radio. À l'instant, After Us, Get Out, le single. Continuons en musique avec Crystal Ball, le I Am Rock, extrait de l'album Crysteria 213 Rock.